Et ça dégage! La tête sur le sol, madame! Mais putain, la cave! J'ai un poignet à caca à l'assiette! Un plan spécial. Une immense fumée rouge et noire est apparue dans une forêt. Mais c'est quoi ton problème là? Secoue-toi un peu. Il veut que je danse la macacaronne? Oh non. C'est horrible, what the fuck. Mais c'est complètement ignoble. Mais c'est atroce. Ah mais je trouve ça trop horrible. Ce jeu est tellement hardcore. Attention, on désactive le casino parce que les jeux d'argent c'est dangereux pour l'influence des jeunes de nos jours. Eh ben ça par contre y'a pas de problème. Les Magikarp qui sont en train de crever la bouche ouverte, y'a pas de problème les gars. C'est safe. Est-ce que vous avez remarqué que à chaque fois que je lance un stream Pokémon, la première attaque qu'un ennemi me fait, c'est un coup critique. À chaque fois que je lance un stream Pokémon, la première attaque que je vais me prendre, c'est un coup critique. Ah c'est 100% approuvé, c'est à chaque fois que je lance un stream Pokémon, je me prends un coup critique. Bolos. Bolos. Les steaks hachés chaglam. Non, les statistiques, c'est orcas, les statistiques, les statistiques. Hey, l'eau a augmenté d'un niveau. Trop bizarre. Trop étrange. Oh, Welcome trap, pas mal. Cornèbre, c'est un chanteur ça. Alors on lit chaque livre comme le dernier. Ah oui putain, je peux vraiment faire surf. Vas-y Joseph de ce qu'ils me disent. Ah, vous voulez combattre? Rien à foutre, Pello. Wow, comme j'ai été pris au piège. Chaud putain. Spectra. Le lac Savoie. Le savoir. Très important pour l'économie du pays. Le savoir. Bon, dans la République démocratique du Congo, on aime ta voix. E-sport, e-sport. Je pense qu'il y a vraiment des mecs qui jouent à ça en sérieusement. Ils sont vraiment en mode, je vais faire de la stratégie sur Pokémon. Je pense qu'avec ce Pokémon-là, avec ces stats-là, avec des EV un peu élevés, ça peut être très intéressant. Je pense que je vais. Avec la troc, ça me paraît trop peu sur les dégâts par rapport à l'avance spéciale de ce bon Pokémon, mon Galégon. Malheureusement, qui a plus d'attaque spéciale, carrément plus force de mettre éventuellement un Fatal Foudre très très bon, oui. Hyper balle. Oh. Génial, je préfère quand même les euphémismes. Ah. Oh. La 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 la. C'est pas automatiquement là. Rappelle-moi poupée, j'ai ton 06. Vas-y que la troque. Arrête de me demander si je veux l'utiliser, putain. Ça bloque la route. Je vais rester devant le rocher comme ça sans rien faire, tu crois? Mais pourquoi y a un deuxième? C'est complètement con. Oh là, attention, ça se duplique. Oh mec, alors là si c'est pas Mew, je comprends pas. Hein. Glace éternelle, sans déconner. C'est une salle super stylée, genre c'est un item de merde dedans. PP plus. Ah ça, je trouve ça plus worse que glace éternelle, Joe. Salut. Je te bouffe. One shot ou pas? Ah t'as la trouille au bout de la nuit. Simularbre. Comment tu veux que j'aime la zone avec des simularbres? Mec, simularbre, ça simule un arbre. C'est, voilà, c'est... Les premières figurations du meilleur Pokémon épée. Du coup, j'imagine que ça va être normal et non même pas super efficace. Oh oui, d'accord, elle me semble. Alors, ça simule un arbre, mais quand il s'agit de se faire cramer, là, y'a plus personne, hein. Ça résiste, pourquoi? Parce que c'est pas tant un arbre que ça, tu vois. Ça simule l'arbre, mais c'est pas vraiment un arbre. Donc, ça a pas les propriétés. Galope. Putain de poney dans un biome neige, sans déconner, mais. Ah! Pas t'as le foutre dans ta gueule. Dans la précision! La précision, Pierroca! Trop plus, ça c'est ma génération. C'est Pokémon, plante, vol, voilà, ça met bien. Oh, c'est des bons dégâts, ça. Ah! Alors, on est paralysé? Quoi, t'es lance qui? Mais non. Ça aurait été mieux du snowboard, mais on peut pas tout demander. Hein. Enfin, faut pas trop demander au. Oh.
Ah, le son! C'est quoi cette fréquence en hertz, nul à chier? J'en suis un. Nice. Oh, le son, mec. Branche ton micro sur une baignoire, ça fait pareil. Hein. Allez, Fatal Foot dans ta gueule, hein. Mais la précision! Et l'autre qui me dit de bac le pas la zone, fuit bien. Faut que je fasse une run SL1 aussi sur Pokémon dedans. Putain, bâtard! Bâtard de merde! Il était planqué dans la neige en embuscade! Ah. Lance-flamme! Mon clavier est lavé. Nice. Coup critique, coup critique. Ils sont tellement utiles mes coups critiques. C'est dingue, dingue. C'est où ça tue des ténéphiles que je veux capturer, ou c'est genre quand le mec il a 2 HP. Alors c'était quoi ça? Une hyperball. Mais t'avais tellement raison, Gliblast Locklef. C'est méga worse. Allez, escalade. Il y a escalade quelque part ici. Alors du coup je comprends pourquoi Gliblast Locklef il a dit vas-y fouille la zone. Ouais. Fouiller la zone, hein. Genre j'ai dû fouiller là, mais gars, putain, si je l'avais skip la zone, genre sans déconner. Hein. Je serais passé à côté d'une maison qui fait la moitié de la map. Hein. C'est... Mais fais-moi des gonfres, fais des trucs, putain, fais pas des runes sorts. Je sais même pas à quoi ça sert, runes sorts. Puis accessoirement, si tu veux de la visite, faut pas t'installer ici. Va au resto du Bras TV, y'a de la visite. 1, 2, Madan! Nice! Oh non, y'a un coup de boule. Non. Ah, poisson roi. Bien sûr que je cherche des Pokémon. C'est un biome glace, il a un poney. Et puis l'autre il a là le poisson roi, c'est logique. Personne n'a des Pokémon glace. Sort bouboule, sort bébé. On ne sait pas où ça. Bâtard. La courte paille, la courte échelle. Ouais c'est bon, j'ai confondu. Mais cette musique est tellement nulle. La 4ème génération c'est la meilleure. Ah putain, mais du coup elle donne un ectoplasma à elle, parce que son spectrum il évolue. Ou alors son spectrum il tient une pierre qui empêche d'évoluer, tellement les mecs qui ont fait ce jeu c'est des bâtards. Je m'étonne que le créateur de Pokémon s'est suicidé dans un séisme. Moi j'aurais vu ce qu'ils ont fait de mon jeu, j'aurais fait pareil hein. Suicide séisme. Mon dieu, je viens de vérifier, le spectrum a définitivement une pierre stase empêchant d'évoluer. Alors, je suis fort ou pas? Non mais c'est obvious en fait. Parce que ce jeu est pas time, donc fatalement tout va être fait en sorte en fait de te faire chier. Putain, chier. Mais je vais faire lance-flamme en boucle et tu vas le farmer, c'est tout, c'est comment ça que c'est... Hein? Oh, c'est ma génération! C'est ma génération ça, c'est 3ème génération, ça c'est ma génération! Hein? Eh, c'est stratégique en vrai! Parce qu'il m'a counter! Tu meurs. C'est juste à faire tout droit depuis le début. Bah non, putain, t'es con ou quoi? Oh, tout droit, oh là là, oh tout droit, oh là là. C'est-à-dire qu'il faut pas prendre de la vitesse pour monter, parce que c'est un escalier en fait. Par contre, tu m'as spoil, donc je te banne. Farfulé? Ah bon? Waouh! Aïe, ça pique. Arrête-toi! Mais elle sert à quoi ma hyper posture? Et déflagration dans ta gueule, tu m'as saoulé, mec. Il y a les précisions de jeu, on a compris ça. Bon. Casse-toi, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Est-ce qu'on fait le pari de genre jouer en premier, donc je le démonte? Mais fais pas genre t'as beaucoup de points de vie, t'es mort en fait. Genre mec, déflagration, vous excusez, déflagration. T'as vu ce qui s'est passé en genre 1942? Nagasaki. La guerre du Vietnam. Bonne jeu glaçon. C'est quoi, c'est genre une barre de Kit Kat? Mais comment ça les être élus là? Vas-y, je veux que je me convertisse au judaïsme ou quoi, putain? C'est le seul bâtiment beau de cette ville de merde et j'ai pas le droit d'y rentrer. Ça me donne envie de gonfler mes joues. Super repousse. Tana tana. Ta da 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 da. Putain, accélère. Accélère. Et voilà, encore en train de pécho de la femelle ce mec, hein, c'est un truc de malade. Oh, c'est déjà terminé. D'accord. Pas seulement on va sauver, oui, la.
Mec, j'ai trop hâte, t'imagines même pas. Ouais, ça va être super. Il perd le coup. Il est 1h du mat. Je pourrais faire des choses tellement plus utiles que stream sans gagner de la thune, genre dormir et putain. À la place de ça, je vais devoir faire toute la map une deuxième fois avec escalade là, ça me déprime ce truc. On va haut ou en bas? En haut, tintin. L'effet de repousse se dissipe. Oh, oh, il y a un passage secret. Oui, je l'ai vu. Tarfou, là, il y a un objet là-dessus. Oh, putain. Mais ça, c'est grâce au courant. Oh, l'île de fer. Non, mes streams les plus animés, c'est quand j'aime pas ce que je fais. Hein. Ah, parce que Final Fantasy XV, j'adore. Je suis en mode, vas-y, c'est trop bien, on est pépère, c'est ambiance tranquille, les gars, on est cool. Y'a pas d'animation. Alors que là, ça me gonfle. J'ai l'animation. C'est pour ça que je vous recommande vraiment d'avoir une vie de merde. Manger McDo. Éboulement. C'est super, je suis dans une grotte, on me donne éboulement. C'est... Non, mais y a... c'est rassurant, quelque part, en fait. C'est valide. Et aujourd'hui, nous accueillons Gravalanche, un Pokémon qui n'émerveillera jamais. Jamais, 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 jamais. Votre une génération, c'est la meilleure. La quatrième génération, c'est la meilleure! Les gens qui sont en mode, il y a un trousseau clé dans la septième génération, d'accord, mais est-ce que tu compares le Liputo ou pas? C'est un noir! Blond avec du rouge à lèvres! Oh, j'ai pas fait repousse, putain, c'était pris. Oh, ce jeu nul. Psychoquac, je me fais agresser par un psychoquac, j'ai au bout de ma vie. Ah, parce que si tu vous avez cru que j'allais faire. La personne qui a créé ce jeu, c'est la même personne qui a fait Getting Over It, hein, c'est obligatoire. Allez, monte-moi au paradis! Wouh! Hey, Master Ball? Psycho. Psycho-quack. On en revient à dire psycho-quack. J'irai même au sommet d'une montagne où il n'y a rien du tout. Psycho-quack t'agresse. Oh. What the fuck, hein, ça fout là? Votez pour moi, je réduirai le salaire minimum. De cet enfer! De cet enfer. Votez pour moi parce que je mangerai les cordons bleus à la cantine. Merci. Hypnose. Putain. Eh ben Spectra, c'est pas Rayo, c'est pire Orca, hein. La vache. Oh, c'est Giratina. Y'a Giratina, putain. Nice. Oh, la taille du truc. Il fait toute la mop. Ah, putain, pas de Pokémon. Nice. Pas de super repousse, putain, mais je veux vivre là. Bâtard. Putain, ça fait trop pas. Fatal Foot! Oh, mais hey, c'est que contre cette Pokémon qui le rate, je commence à penser que ça n'a rien. Putain, mais c'est dingue, vous avez vu ça? Oh, mec, c'est chaud! Trois fois d'affilée sur le même Pokémon! Y'a que contre ce Pokémon qui fait son attaque à chaque fois! C'est dingue! Premier rage. Nos rages de mon pelage. Hein. Comme tous les combats boss final hein, de ce jeu. Bon, ils sont toujours terminés de la même manière. Master Ball! Fin du combat! Voilà. C'était très compliqué. J'ai apprécié le combat. Vol, 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 t'as un dragon, tu peux voler. Oui. Il peut voler, il y a un dragon qui peut voler, oui.